Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer, ou là, on va entamer aujourd'hui le module de psychiatrie. Avant de commencer, j'espère que nous allons faire un point. Les cours que nous allons faire, sont les cours de psychiatrie de la P2 de la faculté de médecine d'Alger. Les modules de la fac, c'est dans l'apprentissage pur. Mais malgré ça, nous allons faire les vidéos pour deux raisons. La première raison, parce que genre on peut pas apprendre sans comprendre, genre لازم كونو فاهمين au moins le minimum هكذا باش كان نحفظو جينا الحفظة سهلة. هذا le premier point, c'est la compréhension. Le deuxième point, باش تكون عندنا une vue globale على le cours. Donc إذا مدلك le prof de cours تاع 11 pages ou la 12 pages, ماكش راح تقدر تكون genre مرتب كي راح تحفظو. Donc كي راح نديرو هكذا genre هكذا ان شي مايتو راح تبان لكم جوغ كي تحفظوا تجيكم بلو فاسيل. قال لو كور الفلاني فوالا 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 واش فيه جوغ نبداو نتفرعوا غير بالعقل حتى تحفظوا كامل كامل لو كور فوالا جوغ سي بور سيت ريزون. يعني هاد لي دو ريزون انه بور كومبروندر باش نحفظوا تجينا سهله, ودوزيامون جوغ هاد لي شيما سا ايد باش تكون عندنا واش تسهل لنا الحفاظه. جوغ بور سي دو ريزون لي حندير لي فيديو على بسيكياتري ان شاء الله ربي يوفقني وندير جوغ بليزيور فيديو. Et voilà, cette المقدمة الطويلة juste fait la première vidéo parce que اليوم باش بدينا بسيكياتري فلاش انتانا. Et هذه هي, on commence بسم الله sans tarder. Alors on commence par le premier cours, c'est les urgences en psychiatrie. Les urgences psychiatriques kayen 3, kayen la conduite à tenir devant les états d'agitation, les conduites suicidaires et les réactions aiguës de stress. احنا نقسمهم على 3 parties هكذا باش يجونا ساهلين. Donc نبداو اليوم بلا conduite à tenir devant un état d'agitation. Alors واش كاين في هذه la partie, كاين une définition, عندنا l'intérêt, le diagnostic positif, le diagnostic étiologique et la conduite à tenir proprement dite, ou un mot à les gestes paracliniques. Donc, هذا واش كاين. Alors, on commence par la définition. C'est quoi l'agitation? Alors, l'agitation correspond à un trouble du comportement psychomoteur. Il y a une partie psychique ou une partie motrice. Alors, qui est caractérisée par une hyperactivité motrice associée à une perte du contrôle des actes, de la parole et de la pensée. Alors, il y a une hyperactivité motrice associée à une perte du contrôle des actes, de la parole et de la pensée. Le danger réside dans le passage à l'acte auto- et hétéro-agressif. Le patient l'autrui. Ceci dépend de l'étiologie. La mise en œuvre de moyens thérapeutiques et médias doit se faire parallèlement avec la recherche étiologique. Alors, les médias, nous avons les moyens thérapeutiques en urgence, parce que nous avons le cours des urgences, mais en même temps, parallèlement, نحوسوا على ليتيولوجي تاع هذه لاجيتاسيون. الوغ لانتيغي علاش رانا نقراو في هذا لو كور. الوغ لانتيغي من لا كونديتا سينيغ دوفون ان ايتا داجيتاسيون تو سامبلومون سي اون اورجونس. الوغ سي اون اورجونس ميديكو بسيكياتريك كي بو انجاجي لو برونوستيك فيتال دوفون كوا. دونك عندنا دو سيتوياسيون كيفاش حتى تقدر elle peut engager le pronostic vital. Alors soit la confusion mentale dans la majorité des cas il y a un trouble organique, ou هذا le trouble organique peut mettre en danger le pronostic vital, on va voir ça juste après, ou là le potentiel de dangerosité, le risque de suicide كيما قلنا في la définition, le passage à l'acte auto ou hétéro agressif. Donc منا déjà نعرفوا بلي راه كاين عندنا des problèmes organiques et des problèmes psychiatrique. Alors les problèmes organiques généralement qu'on a une confusion mentale ou heavy, elle peut mettre en jeu le pronostic vital. Ou deuxième, les troubles psychiatriques confirment surtout le potentiel de dangerosité, donc le risque de suicide par exemple. Donc voilà l'intérêt, c'est une urgence médico-psychiatrique. Ensuite on passe au diagnostic positif. Alors le diagnostic positif a 3 points. A l'examen de l'agité, l'interrogatoire, a l'examen somatique ou l'examen psychiatrique. Alors on commence par l'examen de l'AGT ou bien l'interrogatoire. Alors un entretien préalable avec le malade lorsqu'il s'avère possible. Alors il a déjà un contact avec le patient. Alors on a un entretien. Sinon, on a l'entourage. Sinon, on a un physiologue. Alors on a le patient, on a l'entourage en même temps. Pourquoi? C'est pour préciser 3 trucs. Pour préciser le mode de début, les facteurs déclenchants et les antécédents psychiatriques et
organique. Alors le mode de début, soit il est soudain, donc l'agitation est d'une manière soudaine, soit elle est lente, progressive, etc. Donc on chauffe le mode de début. On doit rechercher les facteurs déclenchants. Par exemple, les facteurs déclenchants d'ordre psychologique. Par exemple, un choc émotif, un choc affectif. On a aussi l'existence d'une intoxication médicamenteuse volontaire ou accidentelle. On a aussi la consommation d'alcool ou d'autres toxiques. Un traumatisme physique, surtout le traumatisme crânien. Une pathologie organique sous-jacente, chronique ou aiguë, par exemple diabète, épilepsie ou changement de médicament, qui est même certains médicaments qui peuvent réduire l'agitation, comme les corticoïdes. Certains patients, qui ont des patients, la première fois qu'ils ont fait les corticoïdes, ils disent un état d'agitation. Voilà, donc ils ne prennent pas les corticoïdes. C'était juste un exemple. Alors voilà, je fais le mot de début. Ensuite, on recherche les facteurs déclenchants. Soit qu'on est psychologique, un choc émotif, soit l'existence d'une intoxication médicamenteuse volontaire ou accidentelle, soit une consommation d'alcool ou autre toxique, un traumatisme physique, surtout traumatisme crânien, une pathologie organique sous-jacente, chronique ou aiguë, par exemple diabète ou épilepsie, ou changement de médicament. Voilà pour les facteurs déclenchants. Ensuite, on recherche aussi les antécédents psychiatriques et organiques. Est-ce que c'est l'agitation, est-ce que c'est le premier épisode, la première fois les dit, ou bien c'est une récurrence, elle réapparaît, genre j'ai déjà un قبل. Voilà. Alors qu'on a les antécédents psychique et organique. Est-ce que j'ai une agitation ou pas? Nous avons les affections prédisposantes à ce type de manifestation aiguë. Par exemple, des psychoses chroniques. Donc, le patient a déjà psychose chronique. Ou là, le patient est alcoolo-dépendant. Nous avons les antécédents. Ou de pathologies organiques limitant ou contre-indiquant certaines mesures thérapeutiques. Parce que là, je vais vous faire les mesures thérapeutiques qui ont des contre-indications. Donc, je vais vous faire les contre-indications. Je vais vous faire l'examen de l'agitation, l'interrogatoire. Alors, voilà, le diagnostic positif, c'est l'examen de l'agitation. Le mode de début, les facteurs déclenchants, les antécédents psychiatriques et organiques. C'est le premier point. Ensuite, on a l'examen somatique. Alors, l'examen somatique, c'est un temps indispensable de l'évaluation. Il doit être particulièrement minutieux lorsque l'anamnèse relève les éléments en faveur d'une étiologie organique. Alors, il faut examiner le patient appareil par appareil, surtout l'examen neurologique. Je vais mettre un exemple. Il dit un patient confus. Déjà, il y a une confusion, on va faire ça organique. Alors, on va faire un examen de cuir chevelu à la recherche d'une bosse. Pourquoi une bosse? Parce qu'on va faire un traumatisme crânien. Le traumatisme crânien, il va y avoir un hématome extra-dural. Il va y avoir la confusion. En même temps, c'est une urgence. Toujours dans l'anamnèse تاعنا ou genre نشوفو c'est au cas par cas genre على حساب واش عندنا نشوفو نديرو l'examen somatique تاعنا à la recherche des problèmes organiques هكذا باش من بعد نعرفو كيفاش نديرو la conduite à tenir. Donc voilà pour l'examen somatique. Ensuite l'examen psychiatrique. Alors l'examen psychiatrique نحوسو على plusieurs points. Alors l'examen psychiatrique permet de répondre à plusieurs questions. Il consiste à observer et à écouter attentivement l'agité afin d'apprécier au mieux les points les donc نحكيو عليهم. Donc il faut écouter attentivement l'agité باش نقدروا نعرفوا كامل هذو les trucs les canines de l'examen psychiatrique. Alors اول حاجه les caractéristiques de l'agitation, l'intensité, donc l'agitation هذه شحال elle est intense, la permanence, est-ce qu'elle est permanente ou pas, la récurrence, est-ce que c'est un premier épisode ou là elle est récurrente. هذه نحوسوا عليها. Donc les caractéristiques de l'agitation. Ensuite la qualité de contact. Est-ce qu'on a pu établir un contact avec le patient? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il est dangereux? Etc. Donc je vous fais la qualité de contact. Ensuite, l'état de conscience. Est-ce que le patient a une désorientation temporo-spatiale, l'obnubilation, l'orientation, l'attention? Donc je vous fais l'état de conscience de notre patient. Est-ce qu'il est conscient ou pas? On goûte comme la conscience derrière la cam, la désorientation temporo-spatiale, l'obnubilation, l'orientation, l'attention, etc. Ensuite, l'existence d'altération de l'humeur. Le patient, est-ce qu'il a une tristesse, l'euphorie,
la colère, l'angoisse, etc. Choufou, n'importe quelle altération de l'humeur. Ensuite, la présence de phénomènes d'hallucination ou bien les phénomènes délirants. Alors, les hallucinations, c'est les troubles de perception sans objet à percevoir. Par exemple, des hallucinations visuelles. Le patient chauffe des trucs, les maquinages. Ou là, auditive, donc il se met à des trucs, les maquinages. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment les hallucinations. Sinon, le délire. Donc, le délire, c'est une perte de contact avec la réalité. Donc, perte de contact avec la réalité, c'est ça le délire. Alors voilà, choufou, est-ce que qu'il y a des phénomènes hallucinatoires et délirants ? Il y a beaucoup plus. Et on va voir ça, psychiatrique. Genre, on a l'organique ou on a la psychiatrique. Les hallucinations ou délire, beaucoup plus psychiatrique. Ou la confusion, beaucoup plus organique. Donc, vous voyez qu'il fait ça, déjà, on oriente le diagnostic. Ensuite, la présence de troubles de comportement alimentaire, du sommeil ou de troubles sexuels. Et les fonctions instinctuelles. Les fonctions instinctuelles, c'est ça. Il y a un comportement alimentaire, le sommeil ou les troubles sexuels. Le comportement alimentaire, par exemple, tu as une hyperphagie ou une anorexie mentale. Le mohim est qu'on a des troubles du comportement alimentaire. Ou bien les comportements, ou bien le sommeil. Par exemple, le patient a des insomnies. Ou les insomnies, c'est un symptôme de rechute de la maladie. Il y a des troubles sexuels, etc. Donc, les fonctions instinctuelles. Donc, voilà pour l'examen psychiatrique. Alors, on a les caractéristiques de l'agitation, la qualité de contact, l'état de conscience, l'altération de l'humeur, les phénomènes hallucinatoires et délirants, et les troubles de fonction instinctuelle, les homatlafas, comportement alimentaire, le sommeil et les troubles sexuels. Alors, Mourmendiro, c'est l'examen psychiatrique. Nous posons la question, le malade est-il confus? Je vois qu'il y a une confusion, un traumatisme organique. Est-ce qu'il est délirant? Est-ce que qu'il y a des troubles de contact ou de l'affectivité? Les troubles de l'affectivité, ou bien les troubles de l'humeur. Donc, le patient, est-ce qu'il est déprimé? Est-ce qu'il est excité? Etc. Donc, Mourmendirna, le diagnostic positif, Tana, l'examen de l'agité, dernier l'examen somatique ou dernier l'examen psychiatrique. Nous allons voir le diagnostic étiologique. Alors, le diagnostic étiologique, déjà, il y a l'organique ou le psychiatrique. Tout ce qui est confusion, c'est beaucoup plus organique. Tout ce qui est délire, hallucination, c'est beaucoup plus psychiatrique. Alors, on commence par les causes organiques. Les causes organiques, l'agitation survient sur un fond de confusion mentale. Avec trouble de la vigilance, trouble de la mémoire, la désorientation temporo-spatiale. Et dans les cas extrêmes, il y a le délire. Alors, les diagnostics étiologiques organiques. L'alcoolisme, soit délirium tremens et encéphalopathie alcoolique suite à l'arrêt brutal de l'alcool, soit ivresse aiguë, donc caractérisée par un état d'excitation psychomotrice qui peut aboutir au déchaînement brutal d'une agressivité aussi imprévue que redoutable. C'est pour l'alcoolisme. Adna toxicomanie au cannabis ou des hallucinogènes lors de l'intoxication ou sevrage aux drogues. L'agitation s'accompagne de troubles perceptifs au premier plan. Donc le deuxième point, je vois, la toxicomanie. Ensuite, agitation dans le cadre d'épilepsie grand mal. La fureur, il y a la forte colère. La fureur épileptique est à craindre sur un fond de trouble de la vigilance. Un patient l'est déjà en l'épilepsie. Donc, agitation dans le cadre d'épilepsie grand mal. C'est la troisième. Donc, alcoolisme, toxicomanie, épilepsie grand mal. Ensuite, le syndrome démentiel débutant. La symptomatologie est polymorphe, associée à des modifications du caractère des épisodes de turbulence nocturne, des troubles de la conscience et peut être ponctuée d'un acte agressif dont les motivations sont obscures. C'est le syndrome démentiel débutant. Alors, on a l'alcoolisme, toxicomanie, épilepsie grand mal, syndrome démentiel débutant. Ensuite, on a les étiologies médico-chirurgicales, soit des causes métaboliques et endocriniennes, soit des causes neuroméningées. Les causes métaboliques et endocriniennes, par exemple l'hypoglycémie, l'agitation, l'hypoglycémie, l'acidose diabétique, l'urémie, grande déshydratation, donc le coma hyperosmolaire, perturbation de la natrémie,
de la calcémie, une hypocapnie ou la hypercapnie en cas d'insuffisance respiratoire, une hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hyperparathyroïdie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de causes métaboliques et endocriniennes selon le contexte. Ensuite, il y a les causes neuroméningées, par exemple, hémorragie méningée, la notion de le trauma crânien, une méningite, une encéphalite, des tumeurs cérébrales, surtout frontales, et là, comme je fais une fin neuro, parce qu'il y a les comme l'humeur et tout, l'hypertension intracrânienne, l'épilepsie, l'hématome sous-dural, aigu et chronique, le trauma crânien, vous voyez. Donc, elle a les causes neuroméningées. Donc, les étiologies médico-chirurgicales, quelles sont les causes métaboliques et endocriniennes ou quelles sont les causes neuroméningées. Ensuite, on a l'agitation peropératoire due au stress et l'angoisse de l'intervention. Donc, l'intervention, on a le stress, le patient est stressé et il est angoissé de l'intervention. Quant à l'agitation post-opératoire, elle est sous-tendue par le retard de l'élimination des produits anesthésiants ou un surdosage au moment de l'intervention. Alors, l'agitation perop, à cause du stress et à cause de l'angoisse de l'intervention, avec l'intervention, sinon, le retard d'élimination des produits anesthésiants, surtout le curare, ou un surdosage au moment de l'intervention. Alors voilà les diagnostics étiologiques qui peuvent provoquer une agitation. Alors, on a l'alcoolisme, toxicomanie, épilepsie, syndrome démentiel, les étiologies médico-chirurgicales, soit métaboliques et endocriniennes, soit neuroméningées, ou on a les étiologies peropératoires. Voilà pour l'organique. Donc, les étiologies psychiatriques. Bon, les étiologies psychiatriques, il faut savoir que presque toutes les pathologies psychiatriques peuvent dire un état d'agitation suite à l'arrêt de traitement ou la narcolidose. Donc, vu que on a le premier cours, il y a des notions qui sont très très bien. Il y a des notions qui sont très bien. مش حنحكيو بزاف على لي دياغنوستيك ايتيولوجيك مي نسيتيوهم كوميم. دونك عندنا لي تروبل انكسيو لور دو كريز دونغواس ايغو دو سا فورم اجيتي. دونك عندنا لي تروبل انكسيو, عندنا لي تروبل دو لومور, لي تروبل دو لومور هما لي تروبل بيبولير, معناتها لاكسيمانياك ولاكسي ديبريسيف. في زوج تقدر تكون عندهم ان ايتا داجيتاسيون. باغ اكزومبل لاكسيمانياك ريبريزونت لو تابلو تيبيك دو لاجيتاسيون افيك نوسيون ديكزالتاسيون, معناتها ديكسيتاسيون, euphorique, de l'humeur, ou l'hyperthymie expansive, caractéristique de l'accès maniaque, s'accompagne fréquemment d'une excitation psychique et physique. Ou je m'intéresse à la drague, mais le bélier, l'accès maniaque, tu connais une excitation psychique et physique, les trucs de un état d'agitation. Voilà pour l'accès maniaque. Sinon, pour l'accès dépressif, agitation anxieuse avec des idées délirantes à thématique dépressive cette fois-ci, donc l'axe à l'accès maniaque, un pessimisme, dégoût vital, des idées d'infériorité, de culpabilité, ils se sentent coupables, qui peuvent alimenter et précipiter un passage à l'acte suicidaire. Donc l'agitation flaxée dépressif, un acte suicidaire. Par contre, flaxée maniaque, une excitation psychique et physique. Donc les troubles de l'humeur. Donc on a les troubles anxieux, on a les troubles de l'humeur. Ensuite, les troubles les troubles psychotiques aigus ou l'angoulolum, les bouffées délirantes aiguës. L'agitation est secondaire à l'adhésion au délire. Elle est désordonnée, fluctuante, elle varie, imprévisible, avec une richesse en hallucinations et thèmes délirants, ainsi qu'une très grande labilité de l'humeur. L'habilité de l'humeur, le changement de l'humeur. C'est les troubles psychotiques aigus. Donc, on a les troubles anxieux, les troubles de l'humeur et les troubles psychotiques aigus. Ensuite, on a la schizophrénie et les paranoïaques, c'est des cours à part. Donc, l'agitation survient surtout dans un contexte délirant. Donc, il y a comme, genre, je me souviens, il y a un délirant hallucinatoire, mais il y a un psychiatrique. Remarquez, il y a la confusion. Par contre, il y a l'organique, on a la confusion. Donc, vous voyez, alors, l'agitation survient surtout, on a fait la schizophrénie et paranoïaque, l'agitation survient surtout dans un contexte délirant et hallucinatoire ou dans un moment d'impulsivité.
Le passage à l'acte auto-hétéro-agressif est très important et imprévisible. La schizophrénie, surtout qui hypse le traitement terme. Voilà. Ensuite, on a les troubles de la personnalité névrotique ou anxieuse, surtout les troubles histrioniques, les crises d'hystérie. Voilà, donc les troubles de personnalité névrotique et anxieuse. Naoudou, troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles psychotiques aigus, schizophrénie ou là les paranoïaques, les troubles de personnalité névrotique ou anxieuse. Dernier point, organisation psychopathique de la personnalité. Donc l'agitation survient dans un contexte de frustration, une réponse émotionnelle à l'opposition et le passage à l'acte dangereux est très important et sans culpabilité. L'organisation psychopathique de la personnalité, il passe à l'acte dangereux sans culpabilité. Donc, c'est très grave et c'est très important. Voilà. Alors, le diagnostic étiologique, nous avons le khaf. Donc, on a l'organique et on a le psychiatrique. L'organique, c'est l'alcoolisme, toxicomanie, épilepsie, syndrome démentiel, métabolique et endocrinienne, neurominingée et paro-opératoire. Ou le psychiatrique, on a les troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles psychotiques aigus, schizophrénie, paranoïaque, troubles de la personnalité névrotique ou anxieuse et organisation psychopathique de la personnalité. Donc voilà pour le diagnostic étiologique. Alors, on a la définition, l'intérêt, le diagnostic positif, l'examen de l'AJT, l'examen somatique, l'examen psychiatrique. On va faire le diagnostic étiologique, le roman, le diagnostic soit psychiatrique, soit organique. Donc, on a une remarque. Les premiers gestes paracliniques sont en fonction de l'anamnèse et de l'examen clinique. Qui m'a dit qu'il y a plusieurs causes organiques, mais bien les causes, qu'il y a les causes métaboliques, endocriniennes, l'hypoglycémie, les troubles de la natrémie, de la calcémie. Et donc, quand même, on peut dire l'agitation. Donc, les gestes paracliniques, c'est à l'aise de l'anamnèse. Donc, en fonction de l'anamnèse et de l'examen clinique. Par exemple, nous avons une dextro, nous avons une hypoglycémie ou bien une hyperglycémie où ça explique quand même l'agitation. Donc, il y a pour les gestes paracliniques. Ensuite, après avoir parlé des gestes paracliniques, diagnostic étiologique, diagnostic positif, définition, intérêt, nous faisons la conduite à tenir proprement dite. Bon, la conduite à tenir proprement dite, il y a 4 points. Il y a l'évaluation de la gravité, qu'est l'attitude face à une agitation, qu'est les moyens thérapeutiques, yak, parce que je dirais la conduite à tenir, ou qu'est les schémas thérapeutiques. Alors là, l'évaluation de la gravité, au-delà des critères de gravité, les généralement qui connaissent une photo l'hospitalisation t'as le patient t'as. Donc, moi, je vous mets les critères de gravité. Alors, les critères de gravité, le contact impossible à établir. Agressivité majeure. Le patient est très, très agressif. Pardonnez-moi, je ne vais pas donner un contact. Donc, le premier point, les critères de gravité, c'est le contact impossible à établir et agressivité majeure. Le deuxième point, c'est la violence incoercible, l'agitation extrême, la fureur, et le camel des critères de gravité, donc violence incoercible, agitation extrême et fureur. Ensuite, intoxication associée, alcoolique ou autre. C'est un critère de gravité, donc intoxication associée, alcoolique ou autre. Un autre point, vécu délirant intense associé ou non à des hallucinations. Avec un vécu délirant intense associé ou non à des hallucinations. Avec une angoisse massive psychotique ou non, l'angoisse massive psychotique allège parce que le patient n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive au début de la maladie. Normalement, je fais un washarasari exactement. Je relève le blimage normal, mais j'aurais connu avec l'angoisse. Alors voilà les critères de gravité. C'est le contact impossible à établir, agressivité majeure, violence incoercible, agitation extrême, fureur, intoxication associée, alcoolique ou autre. Vécu délirant intense, associé ou non à des hallucinations, angoisse massive, psychotique ou non. Voilà pour l'évaluation de la gravité. Ensuite, l'attitude face à une agitation. C'est bon, déjà le patient il est agité, qu'est-ce qu'il faut faire? L'abord du malade doit se faire calmement, mais fermement. Donc, on est calme, mais en même temps, on est ferme. On l'accompagne d'un ou de plusieurs infirmiers. Donc, ou le haja, assurer de l'aide.
باش راحين جون نديرو اون كونديت اتينور دوفون ان اجيتي وحدنا دونك تكون عندنا جو يكونوا معنا بلوزيور ان او بلوزيور انفيرمي دونك اول حاجه اسوري دو ليد اونسويت عندنا لونترتيان افيك لو باسيون اول حاجه لو سيباري دو سون انتوراج سورتو سورتو quand ils paraissent entretenir ou exacerber l'agitation. Donc, on va aller à l'heure. Tentez de dédramatiser l'atmosphère entourant cette agitation. Genre, il y a une atmosphère d'agitation. On tente de dédramatiser l'atmosphère. Ensuite, parlez avec le patient pour bloquer la spirale peur-agressivité. Genre, on voit déjà la chaïve. Il est agressif parce que la chaïve. Genre, on a aussi des gens qui ont mal au patient pour bloquer la spirale peur-agressivité. Adoptez une attitude ferme et décidée face au patient. Genre, il y a un peu l'entretien avec le patient. Goulna. Le séparer de son entourage, surtout quand ils paraissent entretenir ou exacerber l'agitation, tenter de dédramatiser l'atmosphère entourant cette agitation, parler avec le patient pour bloquer la spirale peur-agressivité, adopter une attitude ferme et décidée face au patient. Ensuite, l'interrogatoire. Alors l'interrogatoire, علاش donc à la recherche des circonstances exactes de survenue de l'agitation. Et un exemple, c'est qu'il y a très complet, comme c'était précédemment. Genre, on déroule l'interrogatoire tana, parce qu'on a raffolé les circonstances exactes de survenue de l'agitation, qui fait, chalèche, qui m'a goulé la serf l'interrogatoire, ou tani, parce qu'on déroule l'examen psychiatrique tana, l'aise, on déroule l'interrogatoire. Voilà. Si toute discussion reste impossible, maintenant, essayez de calmer le patient, essayez de déroule un contact, ou ma qu'dernèche, donc toute discussion reste impossible, la maîtrise de l'agitation s'impose. Elle nécessite l'emploi d'un traitement injectable par voie intramusculaire, on va le voir juste après, et نقدروا même نروحوا حتى la contention. Alors la contention c'est dernier recours, mais بداوش بها genre نبداو ان نحاولوا نحكيوا مع لو باسيون اي تو, ensuite نديروا traitement injectable, اذا كامل ما نفعوش alors نفوتوا نديروا la contention اللي هي donc tout simplement attacher le malade mais sous la décision d'un médecin. Voilà, راح نحكيوا عليها juste après. Même نقدروا genre on prévoit rapidement une hospitalisation si le contexte le suggère, ainsi qu'une éventuellement une hospitalisation à la demande genre d'une autre personne. Par exemple, le patient il est très agressif, il est dangereux, genre, par exemple une personne de la famille ou là elle demande l'hospitalisation. Sinon, l'hospitalisation d'office ne nécessite pas le consentement du patient. Alors soit du pour la police, soit l'essentiel est qu'on très agressif, très dangereux, l'hospitalisation s'impose. Alors voilà l'attitude à une agitation. Goulna. أول حاجة assurer de l'aide. Ensuite, entretien avec le patient, on le sépare de son entourage, on dédramatise la situation. On بعد نديرو un interrogatoire. إذا ما قدرناش نديرو un interrogatoire, on fout le traitement injectable par voie intramusculaire, voire la contention. Ou ثاني, إذا كانت le contexte suggère une hospitalisation, راح نديروها. Donc voilà pour le deuxième point, il y a l'attitude face à une agitation. Alors là, l'évaluation de la gravité. La deuxième, c'est l'attitude face à une agitation. Ensuite, les moyens thérapeutiques. Adnat la fin. Approche relationnelle au patient agité. Contention physique et traitement médicamenteux de l'agitation. L'approche relationnelle du patient agité. Elle vise à assurer une écoute et à rétablir le contact et le dialogue, ce qui favorise souvent l'apaisement émotionnel. Alors, elle vise à assurer une écoute, le patient, une écoute, et à rétablir le contact et le dialogue. Alors, on essaie de faire un contact avec le patient, on essaie de parler avec lui. Alors, on fait un dialogue. Ce qui favorise souvent l'apaisement émotionnel. Alors, une fois le patient il fait confiance, tu comptes avec lui, tu parles avec lui, déjà, il y a un apaisement émotionnel. En même temps, on dédramatise la situation tout en évitant des réactions personnelles hostiles, nuisibles à la prise en charge thérapeutique. Alors, mais si le patient est agité et tout, on a fait une... ديروا دي رياكسيون بيرسونيل اوستيل معناتها كي مانيفيست لاغريسيفيتي جون ما كانلاه نكونوا اغريسيف فوالا جون نيساي نسمعوا لو باسيون نديروا ان كونتاكت نحكيوا مع لو باسيون اون دي دراماتيز لا سيتوياسيون ايتترا دونك هذه parmi les moyens thérapeutiques. Ensuite, la contention physique, c'est un acte médical provisoire. En général, elle est évitée. Genre نبداو كيما قلنا بالابروش ريلاسيونيل دو باسيون هي لا بلوز امبورطانت. On évite au maximum la contention.
sauf lors des agitations très intenses. Alors, il y a qui nous ciment obligé, ndiroha, mais ndiro thani ma'aha la surveillance stricte et régulière du patient. Voilà pour la contention physique. Ensuite, le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux de l'agitation, quelle que soit la forme clinique de l'agitation, un recours médicamenteux est indispensable dans la plupart des cas, notamment lorsque celle-ci est incoercible ou préfigure une dangerosité. Voilà, il y a quelqu'un incoercible ou là le patient est dangereux et tout, là généralement déroule le traitement médical. Barkaina, une remarque, éviter l'administration répétée d'un sédatif chez un sujet déjà endormi. La répétition peut conduire à un coma ou à l'apparition d'un syndrome malin des neuroleptiques, mais t'as des effets secondaires graves. Ou t'as sera heavy l'administration répétée d'un sédatif. Il y a par exemple déjà un patient, un service ou d'un ou des sédatifs. Ensuite, mais cache la place, par exemple, fidèle l'hôpital. Bah, t'as un autre hôpital, ou t'as un autre hôpital, les sédatifs. Donc, pour éviter l'administration répétée des sédatifs parce que la hadirna soit des soit coma soit syndrome malin des neuroleptiques, ou je dirais qu'il n'y a pas l'ordonnance, n'y a pas une ordonnance de liaison. Maintenant, voilà le patient le flani, déjà عندنا voilà واش لقينا له voilà مدينا له déjà des sédatifs. هكذا باش كي يروح l'autre hôpital باش هما ثاني يديروا له des sédatifs. هذا ما كان هذا لا رمارك جوست باش ننتبهوا بلي لازم نديروا اون اوردونونس دو ليزون. alors les traitements, واش كاين كوم traitement symptomatique. donc les traitements symptomatiques de l'agitation se basent sur deux groupes de produits, عندنا les tranquillisants و عندنا les neuroleptiques. les tranquillisants ils sont dont ils عندهم une action rapide, le pic plasmatique est atteint en 30 minutes 1 heure maximum et sa demi de vie et sa demi vie est de 32 heures. exemple les هو اللي نخدمو بيه بزاف سي الفاليوم ولا لو ديازيبام. alors diazepam ou le valium généralement diront par voie intraveineuse lente. donc voilà pour les tranquillisants. ensuite عندنا les neuroleptiques. les neuroleptiques ou là نقولو لهم les antipsychotiques, c'est la même chose. alors les neuroleptiques nécessitent une surveillance particulière portant sur la vigilance et les constants hémodynamiques, surtout la tension artérielle et la fréquence respiratoire. alors et d'amadina des neuroleptiques, lazem on surveille constamment le patient tana, je vous la tension artérielle, je vous la fréquence respiratoire, donc les constants hémodynamiques. Wach andina comme neuroleptique, kayen kima le nosinant ou la l'haloperidol ou le nosinant, hado ce sont des neuroleptiques. donc les moyens thérapeutiques wach andina, adna l'approche relationnelle du patient agité, adna la contention physique et le traitement médicamenteux. j'espère que vous درتو شيك rana rana في الكور تاع كونديتا تونير devant un état d'agitation, درنا définition, درنا intérêt, درنا diagnostic positif, درنا diagnostic étiologique, وحكينا على les gestes paracliniques, ورانا درك في la conduite à tenir proprement dite. حكينا على le premier point, l'évaluation de la gravité, على les attitudes ou la latitude face à une agitation ou généraux. ensuite حكينا على les moyens thérapeutiques, حكينا على l'approche relationnelle du patient agité, على la contention physique, voilà le traitement médicamenteux. voilà. ensuite les schémas thérapeutiques. في les schémas thérapeutiques, je vous quelles les agitations médicales ou quelles les agitations psychiatriques. في psychiatrique, il y a plusieurs points. il y a les agitations psychiatriques du maniaque, mélancolique, les cas de dépression sévère, le délirant, le schizophrène, هذا وحدهم. il y a les agitations ou les schémas thérapeutiques d'agitation psychiatrique d'origine névrotique, هذا وحدهم. il y a le sujet impulsif caractériel. il y a le vieillard, il y a la femme enceinte ou il y a l'enfant. donc on trouve chaque schéma thérapeutique تاع كل وحده. nous بداو d'abord les agitations médicales. l'important est de rechercher à déceler la cause de l'agitation. علاش parce que كي نعرفوا سي كوا لا كوز قلناهم هنايا لي كوز ميديكو هذو الاورغانيك كي نعرفوهم par exemple un trouble métabolique, un trouble endocrinien. كي نعرفوا لا كوز راح نعرفوا نديروا l'orientation d'urgence de ces malades vers les services correspondant soit les services de médecine, soit services de réa, soit services de neurochir. par exemple en cas de traumatisme crânien, on envoie le patient le service de neurochir. voilà. l'essentiel, qu'est-ce qu'on a dans l'agitation médicale, ou rana عرفناها كاع واش رانا نحكيو من الاول, رانا دوكا عرفنا اسكو سي ميديكال سي بسيكياتريك ايتو. هنا رانا عرفنا بلي سي ميديكال, نبعثوه للسيرفيس كوريسبوندون سوا ميتين سوا ريا سوا نوروشير ايتترا. concernant les agitations d'origine toxique, هنا نمدو دي نوروليبتيك سيداتيف اون اي ام. donc d'origine toxique, نمدو دي نوروليبتيك سيداتيف
onyème. Avec un d'origine épileptique, elle nécessite des benzodiazépines à action rapide, le Valium, en intraveineuse lente, associée parfois à phénobarbital, onyème. Alors, les agitations médicales, je les ai mis chez nous. La cause, l'orientation d'urgence vers les services de médecine de réa ou de neurochirurgie. ثالث حاجة إذا كانت دوريجين توكسيك نمدو دي نيروليبتيك سيداتيف أونيام. إذا كان دوريجين إبيليبتيك نمدو البنزوديازيبين أكسيون رابيد اللي هو الفاليوم أون انترا فينوز لونت ونقدرو نديرو له لاسوسياسيون مع الفينوباربيتال أون انترا موسكولير. هذه بور لاجيتاسيون ميديكال. أنسويت بور لاجيتاسيون بسيكياتريك عندنا فيها بزاف. نبداو الأولى dans les agitations de maniaque, le mélancolique, قلنا بلي سي لا ديبرسيون سيفير, délirant ou le schizophrène. هذا واش نمدو لهم. Le traitement de choix c'est le benzodiazépine en intraveineuse lente, qui a une action rapide. On ajoute souvent un médicament à action moins rapide, mais plus durable, tel que l'association de neuroleptiques incisifs type allopiridol, on redonne de l'allopiridol en IEM, et un neuroleptique sédatif qui m'a l'ivomipromazine, les huwa nosinant. ثاني نقدر نديروه اونيام جور نديرو شوفو هادو كي تكون عندنا اجيتاسيون مانياك ميلانكوليك ديليرون سكيزوفرين نديرو البنزوديازيبين اللي هو اون انترافينوز لونت اكسيون رابيد هذا نقدر نزيدو معاه لالوبيريدول ياك اونيام ولا ليفو ميبرومازين اللي هو نوزينون مي الفو فير اتونسيون هنايا في لي دوز الوغ لي دوز نقدروا اون بو لي رينوفلي شاك 4 اور مي الفو سورفيي لي بوتونسيون باسكو علاش باسكو لي نوروليبتيك سون دي برودوي هيبوتونسور دونك سون دي ميديكامون هيبوتونسور عليها نمدو لي نوروليبتيك اون كاز اجيتاسيون دو مانياك ميلانكوليك ديليرون سكيزوفرين نمدو لي نوروليبتيك mais on surveille l'hypotension. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, d'origine névrotique, c'est-à-dire hystérionique ou réactionnelle, la prise en charge est de la benzodiazépine principalement. Alors, il faut isoler le patient de son entourage et adopter une attitude calme. Il faut calmer le patient. C'est devant... Il y a une agitation d'origine névrotique. Il faut isoler le patient. Ensuite, on passe au traitement, nous mettons une ampoule de Valium en intramusculaire dans les formes à forte charge anxieuse qui m'a donné une tranxène ثاني مي احنا نشدو الفاليوم الوغ نديرو ايزولمون والفاليوم هذه في ايتا داجيتاسيون دوريجين نيفروتيك اونسويت اجيتاسيون في ان سوجي امبولسيف caractériel, psychopathe, état limite, insuffisance mentale, on préconise en première intention un neuroleptique sédatif type chlorpromazine. Yek, parce que déjà le patient a un psychopathe et tout, alors on met deux des sédatifs. Généralement, on met deux des sédatifs, mais on met deux le valium. Ensuite, les agitations, qu'il y a des agitations, le vieillard, le femme enceinte ou l'enfant. Le vieillard, on préférera mettre deux des tranquillisants. Ou bien des neuroleptiques sédatifs, mais les posologies sont moitié inférieures à celles de l'adulte jeune. Alors, on a que la posologie à le vieillard, mais nous donnons des neuroleptiques sédatifs généralement. L'agitation chez la femme enceinte, nous donnons l'argactyle en intramusculaire, qui est dépourvu d'effet tératogène, comme le cours, genre le cours d'Erimbili, il est dépourvu d'effet tératogène. Quand on a lu des articles, il dit oui, il est utilisé l'argactyle, mais ici, il dit la dose minimale, la dose kamel habta, ou il évite de dire avec d'autres associations. Genre, il dit l'association, quand la femme enceinte, il dit l'argactyle ou ça. Ou des doses narcines. Voilà. Ensuite, l'agitation chez l'enfant, les neuroleptiques comme l'argactyle. ثاني on peut les utiliser. Donc voilà pour le schéma thérapeutique. عندنا نشدو les agitations médicales, on عرفو واش نديرو فيهم. Genre soit كما قلنا la cause, l'orientation, l'origine toxique واش نديرو له, l'origine épileptique واش نديرو له. Ensuite les agitations psychiatriques, نشوفو إذا كان maniaque, mélancolique, délirant, schizophrène, نمدو principalement le benzodiazépine ياك on entra venous lance. نقدرو نمدو ثاني les neuroleptiques mais نعسو l'hypotension. إذا كان d'origine névrotique, ndiro l'isolement ou nmeddo le valium. Idha kan le sujet impulsif caractériel, idha kan psychopathe, nmeddo les sédatifs, donc les neuroleptiques sédatifs
chlorpromazine donc l'ergactyl principalement. Il y a un vieillard médulo des neuroleptiques sédatifs mais naxo donc la posologie de qu'on naxe à moitié par rapport à l'adulte. Il y a une femme enceinte une médule ergactyl normalement ou une médule aujourd'hui dose naxa ou médiologie association ma fsa chez l'enfant kif l'ergactyl tani on peut l'utiliser. Donc voilà pour le schéma thérapeutique. J'espère que la vidéo m'a jatch thqila alaykoum ou j'espère que tkounou stfedtou c'est surtout ça hakda bach ki tjiou tahfadou le cours ki njiou nahfadou le cours idina sahel. Voilà inchallah rabbi yoffqna kamel. Ma tensaouch partagez la vidéo ya khliou ida stfedtou menha bien sûr ida stfedtou menha partagez-la bach yestfadou les autres étudiants. Rabbi yoffqna. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.